Et salut à tous et à toutes, c'est Xeno, on se retrouve pour la 15e partie de Pokémon X on Yoto Challenge. Du coup, la dernière fois, on avait fait l'arène, on avait capturé un Scalpion, et on avait fait pas mal de choses aussi, quelques trucs. Du coup, là, on va continuer tranquillou bilou. Alors, je sais pas si on va arriver à la prochaine arène, par contre j'ai vu qu'il nous restait que 2 badges, hein. Donc, nous sommes pas loin. Du coup, on va faire un petit tour de team. Il y a Miss Odd 2 qui est, oui, le Scalpion qui est encore à entraîner. Pas avant le niveau 54 d'ailleurs. Il faudra le faire évoluer. Pichuk qui est un peu à la bourre par rapport aux autres, mais ça va se rattraper. Du coup, on va continuer. Route 17. Alors, route 17, il y a peut-être des pokés. Je vais regarder. Qu'est-ce qu'on a route 17. Route 17. Bon, on va avoir des combats par contre. Route 17. Ta-da-ta-da-ta-da-ta. Route 17. Ouais, on n'a pas des trucs. Ouf. À la limite, Blizzy, on aura une méga en plus, quoi. Ça fera un poké plan. Ouais. Pas ouf, moi, y'a quoi de quel oiseau, c'est de la merde. Farfuret, ça peut être bien, mais c'est trop fragile, et puis je pourrais pas le faire évoluer. Enfin, si je pourrais, mais faudrait que je tryhard le. Maison de combat, ouais, c'est chiant. Bon. Combat. Combat. Ah, et c'est son ami, d'accord. Maintenant, on peut monter le Mochon. Ah, aussi, c'est quelque chose, attention. On sent que c'était pas fait pour ça, hein, quand même. Oula. Il y a des objets pas loin. Il y a des objets. Je le sais qu'il y a des objets. Bon, bah, notre Pocket Zone, qu'est-ce que ça sera? Forcément. Forcément. Faut qu'on chope le pire truc. On va le prendre. On va le prendre. Et on va pas s'en servir, ça je vous le dis tout de suite, on s'en servira pas. On s'en servira pas de cette tas de merde qui est le cas d'oiseau. Ah, c'est dommage, il a pas voulu rentrer dans sa Pokéball, c'est triste. C'est triste. T'as encore une chance. Tu as encore une chance. Peut-être deux, non, une chance avec la tempête s'abîme. Soit tu rentres, soit tu meurs. T'as le choix. Waouh! Génial, quel oiseau! Incroyable. Je l'ai pris en cas où on aurait une merde avec vol, mais c'est tout. Ça ira de service clair, on va l'appeler Osef d'ailleurs. Osef. Incroyable. Par contre, on va prendre un repousse. Si je les trouve. Repousse, on s'en branle. J'ai plus du tout de repousse. Je sais pas, j'en avais racheté 27. Non, mais remonte. Remonte sur ton truc. Remonte sur ton truc. Hein. Oh, catastrophe à diriger ce truc.
Y a rien ici. Rien ici. Ah, rien ici. Effectivement. Ah, là, il y a un truc. Un chronoball, incroyable. Une plaque glace. Ah tiens, d'ailleurs, en parlant de plaque glace, faudrait que je regarde mon shop laser glace. Si c'est ici, c'est bien. Ça pourrait être bien. Ouais. Ouais, alors j'ai le truc. Bon, attendez, on va regarder. Qu'est-ce que tu fais ? Laser glace. Au froid que les congères. Ah, mais c'est la ville d'après, ça, je crois. Non, c'est Fuzel, Fuzel. La Fuzel, un truc comme ça. Bon, les goûts. Ah, les cailloux en bas. Allez. Allez. Ah, c'est vrai qu'on a chopé le mamochon, enfin le cochinon, je sais plus si on avait eu le... On a été voir la nature. Je regarde comment il évolue surtout, je me rappelle plus du tout. Je crois qu'on peut pas, ça n'a pas échange. Du calcium. Du calcium. Genre y'a rien ici? Ah ouais, y'a rien. Effectivement. Parce qu'en vrai, ma mochon, ça pourrait être bien. Hein. En cas où je perdrais Chuck. Plus s'il a une priorité. Ça pourrait être pas mal. Je vous avouerai que c'est pas palpitant. Oh là, c'est on est à la fin de la route. Allez, on serait avec ton gros cul là. Voilà. Non, c'est bon, c'est fini. Fin de la route, tu peux te monter. Et merci bien, ça qui a foutre. Ah, vous avez reçu un message. Ah, mais c'est pas tout le bordel là déjà. Hé Xenon, j'aimerais qu'on se retrouve pour un combat devant. Oh là là, mais il me casse les couilles, toi. Je vais te battre combien de fois pour que tu comprennes que t'es nul. T'es nul, tu sers à rien. Un super bonbon. Bonjour mademoiselle. Ah là, le changement de temps dans les jeux Pokémon, c'est toujours quelque chose. Là, c'est un peu plus tranquille quand même. Ah. Débile, hein ? Je suis venu à la place de Dexio et un message pour toi, il y aura une personne ici à Fusée qui connaît bien le Pokémon légendaire. Oh, j'ai fait obéir, tiens. Oh, j'aurais oublié des baseballs. Oh, incroyable. PNJ qui sert à rien. Bonjour madame. Si nous y étions dans un roman, je suis certaine que quelque chose serait rentré sous l'ombre de la fin de l'écran solaire. S'asseoir.
Est-ce qu'il y a un changement de plan? Il n'y a pas de changement de plan. Un centre poké. Bam bam baladam. Ta 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 ta. Ah, là ça cause là par contre. Fatal Foot, déflagration, Explo Force. Ah, Explo Force c'est bien, mais. En général, ça rate. C'est dommage. Tam, tam, ta 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 ta. Il me semble qu'ici, il n'y a pas un con qui vend des. Des trucs là. Comment ça s'appelle, les sodas là? Madame. Tiens pour toi. What? T'as fait lance-flamme. De toute façon, là, j'ai personne qui peut apprendre lance-flamme. À part machin. À part des mots. Bam. Pa-la-pa-pa-pam. Là, je me rappelle même plus trop là, de la fin du jeu. Là. Je me rappelle de la ligue. Je me rappelle de ce qui se passe pendant la ligue, tout ça. Je me rappelle pas des pokés de la ligue, par contre. Après, peut-être la championne et encore. C'est vrai que la ligue n'est pas non plus. Ah, elle est bien, en vrai, mais. Ligue des souvenirs. Ouais, non, en fait. Non, non, c'est rien. Ah bah il y a une boutique. Cool. Oh le foulard. Oh le petit foulard quoi. Le mini short. Bas punk. Et bottes montantes. C'est fou. Oh le petit chapeau avec la fleur. Oh le petit truc rose, incroyable. On va le prendre le truc rose, cool. Le chapeau, je changerais bien en vrai. Avec la petite fleur là. Voilà. Hop. On va tout prendre. On va dépenser sans compter, loul. Vas-y, rentre là-dedans, là. Ouais, faut cliquer. Faut cliquer, cliquer. Let's go. Soit je laisse les lunettes, soit je mets les, le truc, c'est ça. Mais merde, mais c'est complètement con leur truc là. De toute façon ça se voit pas. Mini shirt. C'était ça le truc. Genre on pourrait déparier le truc. Ah ouais. Je pourrais virer le chapeau presque. Je sais pas si on peut enlever le chapeau. Ouvrir menu. Ouais, non, c'est juste ça. D'accord. On va voir la gueule que j'ai. Mais
Voilà, elle est très bien comme ça. Confirmé. Voilà. Le mec passe plus de temps à s'habiller qu'à faire du poké, quoi. Oul. Bonjour monsieur. Ah, puissance cachée, ça peut être bien. Alors, pour savoir la PC, c'est compliqué. C'est par rapport aux EV, tout ça. Enfin, c'est pas placement des IV, surtout. Ah, tu vas se profiter de mon talent, vas-y. Ah, il peut savoir la... D'accord. En vrai, sur GKS, ce serait bien de savoir. De type combat. Ouais. Sur démo. Ah, il y a une puissance cachée de type O. Oh, ça sert à rien. Cool. Quoique je dis ça. Si, c'est bien pour le rush en fait. Cool. On peut y apprendre du coup. Ouais, mais en même temps, je vais pas le placer sur un type rush. Bon, c'est le temps qu'il apprenne autre chose finalement. Ah, mais il a déjà ses attaques. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Ouais, bah non, en fait. Loul. Après les autres, ça sert à rien. Ils tapent sur le physique. Ils sont trop cool, ouais, c'est trop cool. Mais il y a une autre route. Je crois que c'est juste une escale, ça. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ici? Bonjour, tu dois tiens, justement pour me parler de toi, je suis sûr que... Ah, c'est lui qui parle de Xerneas. Un Pokémon du nom de Xerneas est mis dans le ciel de Kalos à l'aide de ses bons étincelants. Les hommes et les Pokémon touchent un... Incroyable. Il y a 1000 ans. Il y a 3000 ans. Ouais, en surenchérie, 800, 1000, 3000, quoi. D'accord. Et de son aérien, il s'est transformé en arbre mort. D'accord. D'accord, merci bien, c'était cool. Ah, il nous parle de la Team Flair. Bonjour monsieur. Merci à ce monde peuplé de Pokémon, oui, oui. Un autre vieux. Depuis que ma femme s'en est allée, je me sens si seul. Non. Je veux pas que tu viennes mes Pokémon, loul. Alors ça, je sais pas du tout à quoi ça sert, le cadran solaire. On peut faire une photo ici. Bon, on va pouvoir continuer. Il y a le café. Il y a rien d'intéressant dans le café de toute façon. Ah, mais il y a une arène ici. Ah, c'est l'arène psy, là. Ah. Oui, oui, c'est l'arène psy, ici. Je me rappelle. Palapap. Je refuse de perdre encore et encore. Quelqu'un qui a commencé son voyage en même temps que moi, en garde. Oulalalala, calme-toi. Billy, calme-toi. Mystérix. Déjà, toujours que 4 poké, quoi. Ah, j'y réfléchis, on va peut-être faire le post-game, je sais pas. On verra. Et je sais pas si j'arrêterai l'arrêt du Nuzlocke ou pas. Et la ballon. Petit enfoiros. Ah, faudrait que j'enlève force. Enfin, faudrait que j'enlève force à la ligue, en fait. J'en aurais besoin. Je sais pas ce que je veux dire. Si, une attaque roche très bien, genre lame de rock ou une connerie du genre.
Asmo 52. Démoine 52. Allez, on voit Pyroli. On va rester. Il y a un Pyroli, les gars. Comment ça se fait? Ah oui, c'est vrai qu'il y a un nouveau, oui. C'est vrai que c'est un nouveau Poké, ça. Un Pyroli. Ah oui, c'est parce qu'on a pris. Bah, c'est parce qu'on a pris le. Ah non, c'est pas logique. Bref. En Finobi, par contre, là on peut se barrer. Et là on peut envoyer Doomfrosty. Pour envoyer Doomfrosty faire une méga et un close combat. Comme ça on est sûr de tuer. Est-ce que j'ai pas mis le sac, je crois. J'ai pas fait gaffe. Allez, au revoir. Il envoie Absol, on va rester. Et re-close combat. Pam 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 pam. 183 d'attaque. La violence. T'as perdu, t'es mauvais. On suit le même, on ne cherche pas la même chose. Bah non, moi j'essaye de faire en sorte que mes Pokémon ils meurent pas, c'est compliqué. Non, mon équipe s'est améliorée. Ouf. Ah, il soigne mes Poké, il est gentil. Il est ton voisin, bon, bref. Ouais. Petite. Bon, par contre, on va peut-être faire la prochaine capture avant d'aller à l'arène. Parce que là, j'ai rien du tout. Hein. En vrai, si, j'ai Chuck qui pourrait faire le taf. Enfin, tout dépend ce qu'il y a en face, en fait. Il y a Miss Hot qui serait bien, mais pour l'instant, si tu as le pion, voilà quoi. Défensivement, faut pas jouer au con quoi. Du coup, ce qu'on va faire, on va retourner à la petite route que j'ai vue tout à l'heure là. Attaque. Non, j'ai pas l'air d'avoir mis le sac. Ah, mais je peux pas y aller. Oh, ils font chier. Bon, bah, tant pis. Ce qu'on va faire, on va aller au centre Poké. Lock. Ah, au pire, ouais. Faudra pas oublier que j'ai cherché Vibre Obscur. GKN peut l'apprendre. Ah, j'ai vu pour Horasfer, au final, faut faire de la reproduction et c'est chiant. Ça a changé là? Non, ça a pas l'air d'avoir changé. Bon bah go à l'arène hein. Allez, let's go. C'est une arène de type C, me semble ici. Ta-da-da, 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 ta-da-da. Je crois, hein, je suis point sûr. Salut futur maître, cœur de Pokéball, fais attention au Pokémon Psy, ouais c'est ça.
Ah, ça va être chiant par contre, les Poképsy, là. Ah, ça c'était stylé par contre. De reprendre un peu le truc du monde distorsion. Ne te laisse pas impressionner par cette étrange dimension. Ta ta ta, Lionel le kinésiste, noix de coco. Ah bah ça commence mal déjà. Pala papa. Tranquille, tranquille. Lance-flamme. En vrai, faudrait que j'apprenne ballon bras. Ah machin, à des mots. À la place de Choc Psy, je pense. Il rendrait psycho. Ah, j'ai pas vu s'il y avait un mec en face. Non, y'a personne. Non, y'a rien. Bon, il y a peut-être un combat quand même. Tant qu'on n'abonne pas, on peut continuer à progresser. Oui, c'est ça, c'est incroyable. Mediti. Charmina. Alors, Charmina. Charmina. Ça va être chiant. On va taper un séisme pour moi. Pied voltige, c'était sûr. Ou par contre, il prend tarif. Il commence à faire mal, Hippototas là. Un Hippodocus. Il commence à faire mal. Hein. Là, ça commence à être boost. C'est avant qu'il va aller le faire. Bon, elle est un peu chiante cette arène en vrai. Elle est linéaire, y'a rien à faire quoi. C'est un peu relou. Subis le truc. On va se soigner quand même. On est bien. On est quand même pas des sauvages. Super potion. Hop. Hop. Ta ta ta. Bonjour monsieur. Ce combat ne ressemble à rien à ce que t'as vécu. Ça dépend. Qu'est-ce que tu vas nous sortir? Et le trou de fion. Patrick le kinésiste. Ah, oui, effectivement. Ça risque d'être chiant. Symbiose. Je crois qu'il... Tant que la défense se paie, lui... Hein. Ouais, donc là, c'était ça. Bon, non, finalement, ça s'est bien passé. Ta-da, 45.
C'était point là. Pardon, c'était vachement long, Symbio, c'était plus long qu'Hippodocus. Le combat est là. Est-ce qu'il y a un autre combat en haut? Oui, il y a un autre combat en haut. Bonjour, mademoiselle. Le monde est encore rempli de mystères. Oui. Et il y a la mystique maniaque. Un Liputu. Oh, par contre, on va se barrer. Putain, comment on va faire pour le prendre, Liputu, là? Il reste que des mots, au final. Que des mots. Ouais. Là, j'aurais été bien, en vrai, avec... avec Scalproie, Acier... Acier Ténèbre, là. Double résistance à ces deux types. Parfait. Avalanche. Ça va que ça tape sur le physique, ça. Ouais, j'y mets de ballon, quand même. Ça serait bien. Ballon, libre obscur. Shokshan 50 va prendre Damoclès. Non. Oui. Merde. Abrutiman. Garde-voir. Donc qu'est-ce qu'il est plus orphe magique lui. On va voir Écosphère. Est-ce qu'on tente comme un vrai bonhomme? On va tenter comme un vrai bonhomme. Un possessif. Moins de 53. En vrai, ça va être tranquille. Hein. Je pensais que j'allais plus galérer que ça. En vrai, c'est pas la reine. Je crois même que dans ma première partie, en normal, c'est pas la. J'avais pas trouvé la reine folle. La championne est là. Est-ce qu'il y a un autre combat entre deux là à faire? Non. Eh ben, let's go direction la championne. Le dernier, je crois que c'est type glace. Ta-da-ta-ta. Voici le moment, celui qui met le passé, oui, oui, blablabla. Ah, par contre, elle a un cryptéro, ça c'est chiant. J'avais bien fait laisser le chuck, finalement. Ah, il me faudrait une attaque roche, quand même. Ah, c'est chiant, il va mettre les murs, par contre. Ça va être casse-cou. Ou par contre, même... Ah bah, coup critique. Ok. Asmo 53. Roi Gada. Ah, ça c'est chiant par contre. Et ça c'est chiant parce qu'il peut avoir laser glace. J'ai rien pour le taper ce connard en fait. Si j'aurais bien eu Scalpion mais il est pas assez costaud là. On va mettre GKN, on va le faire méga. Et... On va faire abri pour voir ce qu'il fait, puis ça va faire passer un tour de protection.
Après, il faudrait quand même que j'apprenne un toxique à quelqu'un. Ouais. Il fait bâillement. Culé. Petit bâtard, il veut me faire dormir. Foireuse. Ce qui serait bien, c'est que je le flinche. Ah putain, il fait plénitude. C'est la merde. Là, c'est la grosse merde, par contre. S'il commence à se placer, on va être dans la merde. On va être dans la merde. Flinch, flinch. Oh, il fait bêlement, le bâtard. En vrai, elle va pas peut-être pas... Putain, si elle active sa potion, casse-couille. La casse-couille. Bon, la tempête se calme. Bon, je dors. Quand on a réveil, par contre. Il n'y a plus la protection. Un statut. Alors, la plénitude, bâillement, psycho. Il fait mal. Il fait trop mal. Il fait trop mal. Mais Miss Hot, qu'est-ce qu'elle a pour taper là? Stridoson, assurance. Assurance, ça fait quoi déjà? Cette attaque est deux fois plus efficace si l'ennemi durant ce tour. Admettons qu'il refasse un psycho. Assurance, ça pourrait le faire. C'est là que c'est chiant de pas avoir d'éponge spéciale. Bon, par contre, je pense qu'il va pas faire des masses de dégâts. Oh le beau gosse. Oh le beau gosse. Qu'est-ce qu'il a comme attaque? Il peut avoir une attaque fée, lui, non? Il peut avoir une typo, hein. Ça c'est sûr, il peut avoir une typo. Là, je remets juste la cendre en fait. Ouais, voilà. Est-ce qu'il va avoir une attaque ou... Bon, bah on a perdu GKN. Ah non, putain de bol. Fouah, ta passe. Espèce de bâtard. Espèce de bâtard. On va se barrer en fait. On va même pas se soigner. Je suis envoyé à ce mot. Ça sert à rien. Tank, 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 tank. Oh putain, elle a mis qu'une plénitude en plus. Putain. Oh, il a rayon, j'aime le bâtard. Là, si je tue pas avec Asmo, Asmo meurt. Danse pluie. Non. Oui. Mur de fer, non. C'est qui le prochain? Mixtigrix. Voilà, on peut renvoyer Chuck. Oh l'enculé de Roigada de merde. Pouh.
Allez, je meurs. Putain, le GKN a un PV. Ah, il fait plénitude aussi, celui-là, mais c'est chiant. Allez, meurs. Meurs. Après, il a utilisé toutes ses potions. Je pense que ça le tuera pas, sauf qu'il tank assez fort. Ça t'a un coup critique quand même, l'enculé de jeu. Hein. Le jeu qui veut me baiser quand même, il dit trop fort le type. Ah bah putain. Saloperie. Je sens. Je sais. Rien ne t'arrêtera. Ouais bah putain. Qu'est-ce qu'elle va me donner? Ah, elle donne plénitude, elle. Ah, quoique, il y a peut-être. Ouais, mais j'ai rien qui tape sur. Ah, quoique, si, ça peut être bien pour. Pour des mots. Est-ce qu'il. S'il apprend plénitude, c'est goldé, par contre. Là, faudrait que j'y mette une autre attaque. À la place de Fofolé. Et on est bon, quoi. Bon, on va regarder quand même l'état de la team. Hein. Putain, 4 PV quoi. Bon, il a pris un niveau, c'est pour ça, mais sinon 1 PV quoi. Putain, heureusement qu'Asmo tape fort quand même, putain. Oh, le mec, sorti de l'arène, il me harcèle, quoi. Nique ta race. Tous les dresseurs de Lokit, la Team Flare a récité l'arme suprême et s'apprête à purifier le monde. Ah, ça va être tout le bordel avec la Team Flare. Parfait. Laissez-moi me soigner, par contre, bande de petits enculés, là. T'es bien, j'ai entendu. Purifier le monde, la Team Flare survivante. Sinon, on a trouvé le tien. Hein. On m'a raconté, on a rencontré lui, c'est peut-être là-bas qu'il se trouve. Oui. Oui, on sait où il est. Moi, je sais où il est. Bon, par contre, on va pas leur parler tout de suite aux deux bus là. On va aller se soigner. On a combien sur OBS là? On est à 43, on va pouvoir continuer un petit peu. Je pense que je vais faire une capture, peut-être commencer le repère et on. Oh putain, j'ai serré du cul, mais comme jamais quoi. Alors on avait dit plénitude, plénitude, si Demo peut la prendre, on aura un poké complètement crack. Et oui, il peut la prendre. Bon, Lucario peut la prendre aussi, mais ça on s'en fout. Oh, Demo Anne, là il va être bien. Là il va être bien. Là il va commencer à être intéressant. On va enlever quoi du coup? En vrai, faudrait que j'y apprenne une autre attaque là. En vrai, on va enlever Fofolé. Au pire, Fofolé, je peux le récupérer, c'est pas un souci. Et là, il va taper fort. Là, là il va commencer à être intéressant. Moi, je pourrais y apprendre Explofort, je crois qu'il l'apprend. Bon, du coup, est-ce que je peux aller sur la route, là? Ben non. Faut que j'aille à Illumis. Niquez vos mères. Bon, est-ce qu'il y a de l'eau, là, ici, là, que je puisse pêcher, à la limite? Oui, mais elle est trop loin. D'accord. Bon, allez vous faire foutre. Du coup. Ah, en vrai, non. On va pas aller à Illumis. Loul. On va s'arrêter là. Parce que je sais pas si elle était patchée la ROM. Donc j'ai pas envie que ça. Je perde la sauvegarde à Illumis. Du coup, je vous remercie pour m'avoir suivi sur cet épisode, ma foi, un peu tendu. Hein, du cul sur la fin. Bon, ça sera un épisode un peu plus court que d'habitude. 44 minutes. Oh. Ça va. Ça va. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi pour cette 14e partie de Pokémon X en New Shack Challenge. Je vous dis bye bye et à la prochaine.